Madame la consul générale de Chine, alors ce festival qui a pour thème « Quand la Chine rencontre l'Afrique », pensez-vous que prochainement la Réunion peut devenir une destination privilégiée pour les touristes chinois ? Parfaitement. Je pense que la présence, la participation du groupe artistique ici à la Réunion, au festival, pour rencontrer les autres pays africains et de l'océan Indien, montre que la Réunion peut très bien jouer un rôle important comme une jonction entre l'Asie et l'Afrique. Et en même temps, avec le beau paysage de la Réunion est devenue déjà une destination privilégiée par les touristes chinois. Alors, qu'est-ce qui vous plaît à la Réunion ? Alors, ça fait un an et demi que je suis ici. Alors, c'est l'air pur, le ciel bleu, la mer, les montagnes, les cirques et le volcan. Tout me plaît. Le plat aussi, peut-être ? Ah oui, alors la cuisine, donc puisque bon, comme je sais qu'ici c'est la particularité de la Réunion, c'est le métis, donc la culture de métis qui m'intéresse le plus, donc la coexistence pacifique entre la différentes communautés et en même temps la cuisine, donc je peux retrouver les racines de cuisine chinoise, indienne, créole, française, donc tout. Merci beaucoup. On retrouve Emeline qui est en compagnie de Arnaud Martin. En effet, je suis avec Arnaud Martin. Bonjour Arnaud. Bonjour madame. Alors, vous êtes représentant des îles Vanille à l'île Maurice. Alors, est-ce important pour vous d'être présent à l'île de la Réunion aujourd'hui ? Oui, c'est très important. Et je disais hier dans mon discours de passation, ce qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est on parle tous de connectivité aujourd'hui, on parle de connectivité aérienne, on parle de connectivité maritime, on parle de connectivité électronique, mais la connectivité qui apporte la plus grande valeur à toutes nos actions, c'est la connectivité humaine. Et je suis heureux d'avoir pu accepter l'invitation de mon ami Didier Robert. Je pense que son initiative est très louable. Je pense que, comme récemment, j'écoutais le discours du cardinal Maurice Piat, le cardinal de l'océan Indien, qui disait que c'est très important de descendre de sa montagne et d'aller rencontrer les autres dans la plaine. C'est exactement, je l'ai entendu, je l'ai écouté. Et c'est exactement ce que je fais. Je crois que c'est très important d'aller à la rencontre de l'autre. Et comme on dit si bien à Maurice, il faut savoir descendre de son pied de coco et aller rencontrer l'autre. C'est vrai. Que faut-il faire pour amener plus de tourisme aujourd'hui dans la zone ? D'abord, la première des choses, c'est, je reprends un mot qui est très à la mode aujourd'hui, je reprends le fameux mot de la connectivité. Je pense qu'il faut améliorer la connectivité aérienne entre toutes les îles de l'océan Indien. Du reste, j'ai promis aux îles Vanille, au comité des îles Vanille, que j'œuvrerai auprès d'Air Mauritius pour voir la possibilité de mettre un pass océan Indien, pass île Vanille au niveau de l'aérien. Au niveau de la connectivité maritime, comme vient de dire monsieur Didier Robert, nous avons extrêmement bien réussi. Nous avons une excellente connectivité maritime. Le nombre de croisiéristes dans la région a passé de 3 ou 4 000 en 2010-2012 pour atteindre 30 000 en 2016 avec plus de bateaux qui visitent la zone et tous les pays. Il faut qu'on travaille sur la connectivité. Il faut, vous savez, ma première, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là, mon premier objectif a toujours été de désenclaver l'île Maurice et je pense qu'aujourd'hui on l'a réussi, on l'a même très bien réussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emeline. La coopération régionale est-elle un des moyens de positionner notre île et d'affirmer son rôle dans la zone océan Indien, Madame Faouzia ?
Exactement. La coopération, non seulement un des moyens, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, est une nécessité absolue aujourd'hui. La coopération doit être à la fois humaniste, réaliste et à bénéfice mutuel. Sinon, ça n'a pas de sens. Je veux dire par là, moi, pendant toute ma jeunesse, j'ai vu des hommes politiques nous parler de coopération, mais malheureusement, elle n'était pas efficiente. Parce qu'elle n'était pas efficiente dans la mesure où elle consistait à considérer que les autres à côté de nous, on devait intervenir que pour les aider. Alors que lorsque quelqu'un a faim et vient vous voir, vous demande quelque chose à manger, vous allez pêcher un poisson, vous lui donnez, vous ne lui apprenez pas à pêcher, vous ne pêchez pas avec lui, vous ne l'aidez pas. Et c'est ce que Didier Robert a fait depuis 2010 en arrivant. Il me semble qu'à l'époque, je n'étais pas élue, je suis encore étudiante, il me semble, je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'ai lu un article dans le GIR où il parlait de coopération régionale à bénéfice mutuel gagnante-gagnante. Et là, je dis, cet homme a tout compris. C'est la raison pour laquelle je suis assise là, à côté de vous aujourd'hui. Oui, en effet, c'est une nécessité de pouvoir dire que nous devons développer nos îles dans une relation de co-développement, dans une relation, d'abord, bien sûr, le ministre l'a dit il y a un instant, l'humain, le socle, une identité, arriver à se connaître. Et ensuite, une fois qu'on se connaît, on prend en considération la réalité de nos îles. Et une fois qu'on a pris en considération la réalité de nos îles, on avance. On va conquérir les marchés de l'océan Indien ensemble. Et ensuite, on part avec nos entreprises pour conquérir les marchés internationaux. On part, on est au centre de l'Afrique et de la Chine. On est là où l'avenir se joue. Le monde demain, Madame la consul est là, sera chinois, sera africaine. La Réunion est au milieu de tout ça. Donc nous devons impérativement, par la coopération régionale, arriver à faire en sorte que notre île de la Réunion, puisse apporter, avec cette chance d'être à la fois européen, français et indien océanique, apporter notre savoir-faire, notre expertise, notre technicité dans l'océan Indien, accompagner les autres. Là où, parce que les îles de l'océan Indien n'ont pas le même niveau. On est bien d'accord, c'est la réalité de l'océan Indien. Donc à partir de là, une fois qu'on a fait ce constat, on grandit ensemble, on va conquérir le monde ensemble. Ma première mission en tant qu'élue de la coopération régionale, j'ai ressenti une fierté, mais des frissons, l'enfant de la Réunion que je suis, l'enfant de l'océan Indien que je suis. Je suis montée dans un bus aux Seychelles avec une entreprise réunionnaise qui a remporté un marché, je crois, d'1 million et quelques d'euros pour la numérisation des bus. Donc c'est l'ingénierie réunionnaise, la technicité réunionnaise au service des Seychelles, pour un co-développement gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, la région a mis l'accent sur la jeunesse. On accompagne, comme vous venez de le voir, les jeunes avec le dispositif VSI. On accompagne les jeunes avec l'Erasmus océan Indien, les entreprises, le président l'a dit un instant, la maison de l'export, mais aussi le club export qu'on finance avec les fonds européens, qui constitue le rôle principal de ce club export et d'accompagner les entreprises à l'océan Indien et à l'international. Nous avons Didier Robert est à l'origine de la création de l'association Ilvani, ça a été dit il y a un instant, pour accroître le tourisme dans nos îles. En tout cas, nous avons mis tous les atouts, nous avons la volonté, nous avons les outils et nous allons y arriver. Parce que justement, j'étais la semaine dernière, les pays de la Dôme étaient en train de dire au sein de la conférence de l'AFD la nécessité des Dômes de se positionner. Et la Réunion était prise en exemple de le pas en avant qu'on a fait depuis 2010, et ça grâce à M. Didier Robert. Nous avons tout fait pour faire en sorte que la Réunion puisse être exemplaire pour les autres Dômes. Mais par contre, nous sommes réalistes parce que nous avons qu'il y a des choses à rattraper. Et même ici à la Réunion, nos points de blocage aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour arriver à dépasser tout ça. Parce que, au fond, ceux qui veulent faire des choses pour la Réunion sans les rayonner, au final, ça revient à le faire contre nous. Donc nous avons pris notre destin en main, nous, enfants rayonnés, nous, élus rayonnés, nous, responsables politiques, responsables administratifs, responsables publics, associations privées, nous marchons ensemble, main dans la main, pour nous positionner légitimement au sein de notre région et aller conquérir le monde avec les pays de la zone. Merci beaucoup, Madame Faoudia. Avec nous également sur ce plateau, une artiste, c'est Christine Salem. Alors, Christine, vous êtes allée à la rencontre des autres artistes de la zone. Est-ce que c'est important, cet échange? Qu'est-ce que vous en avez Enfin, pour moi, personnellement, oui, il est important parce que, comme elle est partie, par exemple, aux Comores avec mon sac sur mon dos, sans subvention, sans rien, c'est que elle avait envie de rencontrer... En fait, de faire la démarche, justement, de rechercher mes racines, en quelque part. Et donc, elle a rencontré beaucoup de musiciens. Même, elle a rencontré un monsieur qui fait... Il est aussi musicien, qui appelle Soubi. Et il fait de marmite. Il fait de marmite en fonte. Et toute la journée, il envoie le bonne marmite, il ramasse
l'aluminium donne chemin et après, c'est son deuxième métier. Donc après ma rencontre un artiste peintre qu'il a beaucoup voyagé aussi, c'est Da. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup de potentiel dans la zone. Enfin, moi, pour le plus que m'en a vu. Et puis à Madagascar aussi, où il est même parti chez Rimani, c'est un artiste malgache. Où, voilà, il y en a plein. Enfin, en tout cas, il y en a plein de potentiel. Et après, c'est vrai qu'il est tellement grand aussi qu'il ne peut pas non plus connaître tout le monde. Et c'est vrai que pour moi, personnellement, en tant qu'artiste, que les très enrichissant justement de... On a un proverbe tout en midi, balayer devant nos potes avant de balayer devant la porte d'une camarade. Donc, nous, ça va à côté. Mmh. Et rencontre les gens. Et franchement, enfin, en tout cas, tout ce que m'a passé jusqu'à aujourd'hui, était formidable. Quoi. Alors, nous allons maintenant parler de votre musique. Est-ce, peut-on dire que votre musique est avant tout une musique de l'océan Indien? On va dire maintenant, non. Oui. Maintenant, oui. Oui, parce que... jusqu'à le dernier album, en fait, c'était que musique traditionnelle. Et aussi la musique africaine par rapport aux instruments, roulea, djembé, kayam, doum-doum et tout ça. Et là, depuis le dernier album, elle rajoute des instruments harmoniques, guitare, harmonica, violon. Et c'est à chaque fois qu'elle me dit ça, parce que c'est la musique qui me fait la musique du monde. Parce qu'il y en a tous ces instruments qui sont mélangés. Et avant, quand elle parle de ma musique du monde, elle me dit non, mais il fait maloya. Point barre. Et il est vrai que la musique n'est un peu de... Enfin, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que comme elle a commencé dans les années 90, beaucoup l'a dit à moi, oui, mais c'est une musique qui ne marchera pas, dans le monde n'est pas connu, nanana, machin. Et donc, maman apprend ça comme un défi, mais elle est partie. Et aujourd'hui, comme il voit que... Enfin, on a fait énormément de tournées depuis 15 ans, et aujourd'hui, il est content que le Maloya, l'amène aller aux États-Unis. Après, il y en a d'autres groupes aussi qui sont partis aussi, hein, n'a pas que moi. Daniel Warhol, Indigo, Gramoun Lélé, tous ces bonnes dadas là, les parties aussi amènent Maloya loin. Et je pense qu'il n'est pas fini parce qu'il y en a des endroits où ça, même si m'y jouait, quand nous jouait, de Moun n'y connaît pas et qu'il. Par exemple, quand nous a joué aux États-Unis, j'avais l'impression que quand de Moun après le concert, j'ai l'impression qu'on était sorti sur Mars, quoi. On n'était même pas sur Terre. Et je pense qu'il faut avoir, il faut aussi développer aussi dans ce sens-là. Et d'abord, j'ai envie de dire aussi, il faut bien développer aussi à l'intérieur de l'île aussi, parce qu'il y en a beaucoup de boulot à faire, dans les écoles, dans les quartiers, il y en a beaucoup de boulot à faire au point de vue culturel. En début de cette année, il était sur Salazi, où on a travaillé pendant 2 semaines avec l'école primaire et collège, mais vraiment pas avec beaucoup de moyens. Et moi, en tant qu'artiste, c'est une volonté que j'ai envie de faire, justement, c'est de, voilà, comme ils disent, balayer devant nos potes, avant de nous balayer devant nos potes, camarades. Alors, des projets. Et c'est comme ça, nous avance. Et c'est comme ça aussi, la jeunesse, tu fais aussi un retour vers notre racine aussi. Il y a des mots créoles que ne connaît pas forcément. Après, il y en a 2-3, elle n'a jamais vu un instrument, elle n'a jamais joué dessus. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faudra développer, en tout cas. Et après, aller à l'extérieur. Moi, la fine fait tout le tour de l'océan Indien. Nous étions Maurice, Rodrigue, Madagascar, Mozambique, l'Afrique du Sud. Donc, on a fait un peu tous les pays. Et il m'a travaillé aussi beaucoup avec des artistes comoriens, maorés, mozambicains. Et pour moi aussi, c'est un retour aux sources aussi en même temps. Donc, je pense que c'est des projets comme ça, il faut arriver à travailler dessus. Et d'autant plus que quand on arrive à La Réunion, enfin, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, midi, que quand un touriste arrive à La Réunion, s'il veut aller à Maloya, il a point d'endroit, en fait. Il faut y attendre. Chaque fois, je suis obligé de dire au monde, ouais, si tu veux faire la fête, il faut que tu viennes à vacances au mois de décembre. Mais c'est vrai qu'avoir un endroit, justement, où ça nous peut retrouver tout ça, que ce soit point de vue, il parle vraiment grand large au niveau culturel. C'est-à-dire que ce soit gastronomie, que ce soit la musique, l'artisanat, la pointe vraiment un endroit où ça, on a tout ça les réunit. Et je pense qu'il faudra que nous penchions un petit peu là-dessus, en tout cas. Alors, des projets pour la nouvelle année 2017 En mars, elle vient d'arriver, m'est arrivée ce matin. Cette année, nous l'est partie au moins 6 fois à l'extérieur. En mars, on a une tournée, et puis on a Maurice, on est en train de développer un truc avec Maurice. D'ailleurs, avec l'Alliance française mauricienne, justement, on va aller faire connaître le Maloya, faire des ateliers
là-bas et quelques concerts. Et après, maintenant tournée en France en mars et puis juillet. Et puis plein de projets, travailler avec d'autres artistes parce que l'année prochaine, je fête mes 20 ans de scène. Merci beaucoup Christine Merci Salem beaucoup. Et on vous retrouve également samedi soir, c'est bien ça, donc sur ce festival donc Liberté Métis. Merci beaucoup. Alors Madame la Consule Générale, l'émission touche presque à sa fin. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un vol direct pour Canton, on va dire pour la Chine? Auriez-vous un endroit à conseiller aux Réunionnais qui souhaiteraient visiter la Chine? Alors en Chine, donc, vous avez plein de choses à découvrir parce que c'est un pays tellement immense, comme un continent déjà. Donc, alors, puisque l'itinéraire direct, c'est Canton, c'est Guangzhou. Alors, vous pouvez tout d'abord découvrir cette grande ville. Et c'est déjà un paradis pour faire les achats. Et en même temps, il y a plein d'activités, de loisirs. Nous avons le parc de vitrines du monde, c'est-à-dire c'est le monde en miniature. C'est un parc. Donc, en même temps, il y a la bonne nourriture. Donc, la cuisine chinoise est très, très connue mondialement. Et en même temps, Guangzhou, c'est aussi une ville où on a beaucoup plus de correspondance vers les autres endroits. En Chine, par exemple, la capitale, donc, nous avons avec le train à grande vitesse, on l'appelle Gaotie en Chine. Alors, on peut se déplacer partout facilement avec ce train qui peut atteindre jusqu'aux 300 km par heure. Donc, c'est très, très rapide. Alors, on peut découvrir tout d'abord la capitale comme Pékin, la grande ville, Shanghai, par exemple, de très commercial, etc. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous nos invités. Merci également à l'équipe technique. Retrouvez toutes les infos sur www.otv.re. On se quitte en musique avec un groupe de Sud-Africain et je vous dis à bientôt sur OTV.